Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Moment venu pour nous comprendre que l'est arrivé pour pays à déraper. Chaque moment arrivé depuis un groupe monde. Ou bien mon président vini pour faire bagaille en l'autre gens. Toute qualité bagaille de yo. Même gens qu'on y a, m'pas connais si m'de qu'on signe un décret, si m'de qu'on signe un arrêté en 2016. Ça veut dire entre 7 février 2016 à 7 février 2017, tout arrêté yo, c'est moi qui te signe yo. C'est pour qu'on y a moi, chaque, mon série de gros savets, mon série de gros articles m'appli, constitutionnellement parlant, le mot techniquement parlant, mais, même m'a dit nous, peuplement parlant, mandat président fini 7 février 2022. Merci à vous. La nationale d'Haïti, côté nous, là, qu'on y a, c'est dans le département centre pays, précisément dans Pélic, côté ministre des Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Joasseris, accompagné, directeur général EDH, Michel Présumé, tant on visite dans Pélic. Je viens regarder comment travaille la réparation tribunaux avancé dans Pélic. Nous sommes capables de dire technicien général. Yo, déjà et yo cap fait travail réparation ça nous va quitter population regarder avec nous et puis tout yo va le temps des ministres avec directeur général là qui va bailler plus de détails concernant visite ça yo temps maintenant pays. Le ciblé arrivé mon budget à réformer, que la jazz qui va le performer, que la jazz qui va le voyer monter. Quel n'a jamais qu'à venir qu'on fait bagaille, nous-mêmes, nous obligés à aller. Nous obligés, c'est ça, y'a mandé, mais nous pouvons prendre si nous allons. Parce que si nous disons que vous traitez, pas de monde qui a fait n'aller. Et puis, moi, je dis, ça qui va content. Ça qui va Eh bien, moi, je suis là, j'ai regardé, j'ai mis juste la main. Pour moi, fini, bah, tout mon plaisir. Le président va être là. Président va être là. Président va être là. Marchez, marchez, marchez. Le président va être là. Président va être là. Le président Papa, nous pas danser pour mon papa. Vous avez un peu de soucis. Soucis. Nous allons retourner. Et nous retourner pour ça. Que la jazz qui va performer, que la jazz qui va voyer monter, que la jazz qui a fini qu'on fait bagaille, nous-mêmes, l'obligé à aller, l'obligé c'est ça, y'a mandé, mais nous pouvons reprendre si nous allons, parce que si nous disons que vous traitez, pas un monde qui a fait n'aller, et puis moi je dis, ça qui va content, ça qui va content. Eh bien, moi, je suis là, je regarde, j'en ai juste la place. Pour moi, fini, bah, tout mon plaisir. Le président va être là. Président va être là. Président va être là. Marchez, marchez, marchez. Le président va être là. Président va être là. Le président Papa, nous pas danser pour mon papa. Vous avez un peu de soucis. Soucis. Soucis.
électrique, c'est les responsabilité pour les réparer l'usine. Non? Et ils étaient là déjà, ils étaient démobilisés pour plusieurs raisons, mais entre autres, Covid là devine accélérer ça tout. Ils ont retourné là depuis 24 août et ils ont repris le travail là. Pratiquement, ils ont gagné un seul groupe qui a travaillé comme ministre de l'Énergie, nous avons 18 MW sous 54. Et nous avons un deuxième qui est réparé, donc dans 36 Kounia là, ils ont testé, apparemment tout marche bien. Et donc ils ont travaillé sur le troisième groupe là. Maintenant, une fois qu'ils ont réparé le troisième groupe là, et ils ont gagné de l'autre travail de Tubinio eux-mêmes que vous avez pour faire. Et je pense que nous avons gagné au niveau de stabilité et qui va permettre que nous portions 54 MW sur le réseau de production. Nous. Bon, où elle est? Où t'es avec nous? Ou filmer, ou est que tout le monde a travaillé, et oui, le travail a avancé, mais espérer que et très prochainement, et nous avons une autre visite à faire, et puis je pense que les choses améliorent. Mais maintenant, peut-être nous, que c'est une usine hydroélectrique, donc on a besoin de l'eau pour faire. Donc, en fait, l'eau a monté dans une période, elle descend dans l'autre période. Nous allons entrer dans la période d'étiage là. Ça veut dire que côté niveau, la clap plus bas. Et là, les plus bas, ça veut dire que nous avons gagné moins de capacité pour nous mettre toute turbine en marche. Donc, ça veut dire que jeudi, on a 36 et le groupe l'a fini par nous arriver à 54, mais c'est le réparer le niveau de l'eau à descendre, malgré que tous les trois capables fonctionnels, nous n'avons pas gagné 54 là. Est-ce que vous en avez d'autres? Donc, c'est la réalité. Bon, d'abord, c'est sensibilisation. Nous tenons phase pendant une période côté que c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, nous fait pas vrai, même télé nationale, tu es dans blackout, tu es t'es débranché, pas vrai? Et l'idée est difficile pour agressivement aller monio quand c'est une fois en passant ou bien un petit courant. Donc nous facturons et des gens qui, malgré la situation ça, qui vient payer, ça va être payé. Mais il y a un bon monde qui ne va pas payer. Pas oublier que si nous tout le monde dans le secteur privé, résidence, industriel, etc., c'est plus de 5 milliards de gouttes que vous devez, EDH. Ok? Donc c'est beaucoup. Mais ça nous dit, en nous augmenter la production, en améliorer le réseau pour transporter la production vers Mounio, et le ça nous dit Mounio, produisons là, ouvrez-le, ma baroule ou payer, ou pas payer, ma débranche. Vous comprenez? Mais il faut que nous fassions éducation dans ce sens ça, il faut nous garantir le produit hein, pour que vous sentiez que le produit est disponible pour vous. Donc si vous voulez, vous payez, si vous ne voulez pas, nous avons l'autre monde. Nous avons un projet qu'on connaît, un deuxième projet avec General Electric qui a fait Carrefour, qui va porter 55,5 MW. En fait, c'est une turbine de 60 MW tout. Mais l'Elfin produit, ça a sorti que nous avons produit, là, environ de 55,5 MW. Donc ça, c'est un projet qu'on a signé déjà pour Vexilia. Nous sommes en phase de mobilisation qu'on y a là. Son projet qui a fait en 17 semaines centrale opérationnelle. Et puis, un an plus tard, Libral Banon, l'autre quantité, parce que la vapeur que la produit, on a mis une sorte d'évaporateur qui va transformer en énergie encore pour que nous augmentions la capacité. Nous avons sous même carrefour là, un autre projet de 60 MW encore. Donc, ça veut dire que nous allons augmenter de 120 MW, pas vrai? Donc au premier 60, au deuxième 60. Et pas oublier que nous avons usine 1 et usine 2 Carrefour qui ont même combiné normalement si tout moteur a été réparé, a été fait entretien, c'est qu'à nous près de 43 MW. Donc en d'autres termes, la zone ça a déjà, on dit nous capables aisément et gagner une puissance installée de l'ordre de 120 à 130 MW. Okay? Dans Carrefour déjà. Nous avons des projets pour Vareux de 180 MW à Vareux. Appel d'offre la fête déjà. Okay? Nous en train d'inviter les firmes qui provisoirement adjudicataires pour commencer à travailler avec nous, pour nous connaître si les conditions sont bonnes pour nous commencer à travailler sur le contrat. Nous avons d'autres projets pour Gonaïve, nous avons des projets pour Miragouane et 30 MW, 30 MW. Nous avons l'autre projet de 50 MW sous Port-au-Prince, à Florio. Okay? Ensuite, nous avons des projets pour augmenter la capacité Jacques Mel, et Caille et Petit Gouave. Jérémy, nous connaissons tout effort fait pour Jérémy. Yo. Donc nous prenons la phase pour nous finir là. Les Caille et Petit Gouave, nous sommes en train de recevoir les équipements pour nous synchroniser tout le groupe yo, pour que nous ayons full puissance sur le réseau.
Donc en fait, et pas oublier que gagner pas métropole métropolitaine seulement. Il faut penser aussi au reste du pays. Et le président a lancé un projet ambitieux de 43 communes dans le pays, sites dans le pays, qui pourraient gagner des micro-réseaux. Et gagner là, on a fait là sous Port de Paix. Mais Port de Paix en principe, c'est l'OB là, c'est-à-dire que c'est la centrale qui va alimenter des micro-réseaux de Bassin Bleu, de Chansol, en Safoleur et Saint-Louis du Nord. Donc, on va aller à Sinoa qui vitesse centrale ça a conduit. En fait, et toute génératrice est déjà rentrée déjà, n'est-ce pas? Ma dédouane en conteneur là, tout élément pour synchroniser, regrouper, etc. Donc, sitôt que sort qui a fait une fête dans la centrale là, donc on a transporté au Port de Paix. Donc, Port de Paix va le passer de Salier aujourd'hui, la travail à 2 MW et quelques, il va le passer à 10,25 MW. Donc, les Cap-Haïtiens, nous avons des projets comme ça. Donc, un projet est avec coopération turque que nous avons essayé au Wessina. Je veux full avantage de ça et qui est capable de permettre de nous porter 115 MW sous des bases flottantes, c'est-à-dire des usines flottantes. Nous avons gagné 36 au Cap-Haïtien et 79 et dans le rad là, bon, pour nous porter là et dans la sous-station noire. Et pour ça, nous connaissons très bien que c'est un projet important que nous faisons en coopération avec Taïwan pour ces réhabilitations, renforcement réseau haute tension 69 KVA et 60 KVA que nous avons fait sous 62 km. Qui a sorti de Carrefour, qui a tombé à Carrière et nous gagnons près de 9 sous-stations que nous avons réhabilitées et 4 nouvelles sous-stations que nous avons construites. Et qui a commencé le travail là. Donc, c'est des travaux que nous avons fait là. Rêve nous, c'est que et grâce à support et à orientation et vision président, c'est-à-dire quitter un secteur énergie électrique qui est nettement mieux que ça nous pas jamais ouais, depuis des décades, et que le prochain gouvernement qui va venir, lui-même, il a une autre préoccupation. Vous comprenez? Il a dans l'autre secteur et dans l'autre secteur économique. Hein? Infrastructure économique, mais ça, il connaît que les gens qui ont besoin d'énergie pour faire développement, pour occuper de business, ils ont accès à elle, ils ont acheté sans qu'ils n'aient pas besoin de ces génératrices qui ont mangé tout petit comme eux. C'est extrêmement difficile en Haïti et pour les gens en situation précaire, pays, institutions, pour d'un côté, pour tout le monde satisfait. D'ailleurs, les gens même pas satisfaits de tête. Parce que vous pensez, si vous mettez dans les meilleures conditions, vous êtes capable d'aider plus, vous êtes capable de travailler mieux et donc vous avez un meilleur rendement. Donc, toutes les fois que vous avez un minimum de bail, par exemple, nous sommes parlé de résidence, pour vous venir là. Donc, on est fait un chiffre à 1h du matin, à minuit, et donc, nous sommes pas moyen de transport, forcément marcher, le marché, et laisser la ville menacée, etc. Vous pouvez comprendre que c'est très frustrant. Donc, c'est des bagages que nous prenons très au sérieux. Moi, j'ai remarqué que la communication, la non-usine, est extrêmement difficile pour ne pas prioriser la communication. Parce que le simple fait de ne pas pouvoir communiquer est capable d'entraîner des dommages énormes. Parce qu'on est observé, on bagaille, il faut aller de l'autre côté pour le dire, attention, fais tel bagaille. Et puis, le fait que c'est courir pour courir, elle dit, monde dans ça, et puis des gars viennent en fait. Donc, il y a un ensemble de problèmes que vous posez là, qui sont réels, et que moi-même, avec très peu de moyens, presque pas de moyens du tout, faut me bailler un minimum de satisfaction pour connaître que moi très conscient que y a travail que important pour l'usine non et pour centrale là et que faut me prendre soin de tout donc m'a fait ça me capable pour ça bon donc on est maladie à tenir coma donc qu'on a commencé qu'on vit nous vin là pour nous comment maladie a évolué on te gain 18 mégawatts qui a fonctionné je dis à nous 36 c'est-à-dire bailler a pas avancé donc mais pour maladie en guérinette, il faut nous gagner des médicaments. Pour nous gagner des médicaments, il faut nous gagner l'argent pour nous acheter. Il faut nous payer courant. Donc, quand on a des termes techniques, on a déjà soin pour le bail, comment travailler avancer. Nous avons 54 MW, c'est 36 qu'on gagne aujourd'hui. Hein? Donc, il va l'expliquer, non, qui s'est passé et qui l'a nous gagné. La première fois que nous avons gagné là, c'est un seul groupe qui a marché. C'était le groupe P1, P2. Oui, P2. Donc P3 était en panne ensemble à P1. Je dis en P3 réparé. Donc il y a travail dans P1 là.
Donc déjà, pour le dire plus de bagages sur la préparation. La population locale l'a senti, puisque vous avez une bonne partie là-dedans, près à 7 à 13 MW qui a consommé là-dedans. Reste à nous prendre pour au prince. Et je dis, pour la première fois, nous avons plus de 90 MW qui ont circulé dans le réseau et pour au prince. Donc tout le monde commence à sentir que vraiment la maladie a commencé à gagner vie. Et tant qu'on me dit, pour la maladie arriver net, il faut gagner des médicaments. Pour gagner des médicaments, il faut gagner des corps qui peuvent acheter. Les médicaments, c'est carburant, et mazout, et l'huile, tout notre bagaille. Donc c'est peut-être ça, nous avons des mounions, payer courant. Nous avons garanti courant 24 sur 24 d'avril le gain. C'est en réalité la pied. Je dis en pile zone, il y a 18 heures de courant qui passe dans le réseau chaque jour. Donc nous quitter les soins pour jouer au rôle paio et pour gagner courant 24 sur 24. Ça me dit pour maladie en effet, pour gagner médicaments. Pour gagner médicaments, il faut développer notre culture. Ou pas qu'à besoin courant pour pas vivre. Surtout gros négio qui ont un paquet d'industrie qui ne peuvent pas payer courant. Nous demandons au PL. Et pas et Moun, et Solino, et Grand Ravine, Village de Dieu seulement, et Sandréville. Tout le monde qui a une grosse usine, yo, qui a acheté gros génératrice pour et acheté gaz mettre là-dedans. Je dis un courant pour Abini, donc payer courant pour nous avancer. Je suis prêt à arriver, mon budget à réformer. Il y a la jazz qui va le performer. Il y a la jazz qui va le voyer monter. Il y a la jazz qui a fini qui va le faire bagaille. Nous-mêmes, nous obligés à aller. Nous obligés, c'est ça, ils ont demandé, mais nous pouvons reprendre. Nous pouvons reprendre si nous allons. Parce que si nous disons que vous traînez, pas un monde qui a fait n'aller. Et puis, moi, je dis, ça qui va content. Ça qui va content. C'est bien moi, je suis dans ma garde, j'en ai juste la main. Pour moi, fini, pas tout pour plaisir. Le président Batla, président Batla, président Batla. C'est bien moi, je suis dans ma garde, j'en ai juste la main. Pour moi, fini, pas tout pour plaisir. Le président va être là. Président va être là. Président va être là. Sorts of
garder péligre. C'est de l'eau qui a fait marcher turbine, qui a viré, qui a généré électricité, et puis il y a des transformateurs qui a pris courant, transformé, immédiatement sur circuit, à voir le calmonio. C'est aussi simple que ça. Donc c'est même si ça se trouve dans le barrage péligre, centrale de péligre, c'est ça que a fait là. Sauf que c'est une petite centrale hydroélectrique. C'est une petite centrale de 3 MW, n'est-ce pas, qui va probablement, ça c'est la capacité installée, il y a de 3 MW. Et donc ça va produire entre les 2,5 à 2,7, ça dépend. Et mégawatts. Donc c'est ce que nous allons mettre sur le réseau à partir de cette centrale. Évidemment, nous avons préféré quitter les techniciens au bord des tailles, parce que là, c'est travaux génie civil qui a fait. Un peu plus tard, c'est électromécanique. Mais on a déjà talent et salle de contrôle là, où est tout appareil de contrôle central là, comment la comporter, qu'il y a un problème, qui a un intervenu, etc. Et donc ça, on a quitté. Et le représentant de ZECO, qui est la firme internationale qui fait le travail, et l'ingénieur haïtien qui est en charge du projet en général, parce qu'il y a beaucoup de détails techniques et qui, le public là, très apprécié de connaître. L'hydroélectrique, c'est hauteur de chute là. C'est ça. Malheureusement, nous avons hauteur de chute là qui est environ 9 mètres, mm-hmm. Ça peine pas qu'à produire plus. Naturellement, par rapport à une nouvelle technologie gain, hein, et ancienne centrale a 2,5 MW installés avec 5 turbines. Mm-hmm. Et présentement, nous avons 4 turbines, mais nous avons une augmentation de puissance 4 MW installés. Mm-hmm. Donc 3 MW installés. Oui. Après les travaux de génie civil, qu'est-ce qui va se passer en termes électromécaniques? Alors il va y avoir dans un premier temps l'installation de toutes les parties mécaniques, donc des turbines et des conduites, et ensuite donc toute l'installation et le raccordement de la partie électromécanique et des commandes. Voilà. Si en mars 2018, côté que les travaux sont finis en septembre 2019, naturellement, à cause des problèmes politiques qui étaient dans le pays, nous sommes obligés de faire un autre avenant, côté que qui était signé en mars 2019. Et présentement, on a parlé à travaux finaux, supposés finir en décembre. Qu'est-ce que c'est que c'est à hauteur de 7 millions d'euros. C'est une pile étude qui était faite avant de commencer le travail. Donc c'est une garantie au moins 40 ans après travaux finis. Au cas où les caractéristiques infrastructures qu'il a, vous ne pouvez pas faire un barrage hydroélectrique et puis vous pensez que vous êtes capable de faire n'importe comment. C'est ça qu'il faut regarder des films internationaux. Les normes que vous appliquez dans la construction de cette centrale, ce sont des normes internationales qu'on rencontre dans tout barrage électrique n'importe quoi. Il y a un plus gros, il y a un plus petit. Ça sont petits petits, mais ils respectent les mêmes normes. Et on met garantie, c'est même j'ai appelé là. Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de turbine. Mais ouais, barrage dans les mêmes, Kembe. Et son barrage qu'il a, et qui est inauguré depuis 1971. Donc vous pouvez imaginer ça veut dire. Donc de ce côté-là, on n'a pas besoin de tout. Toutes les dispositions ont été prises pour que les normes techniques et géotechniques respectées pour protéger l'infrastructure. ZECO, ECOMA, ZECO sont firmes italiennes ou bien ECOMA sont firmes haïtiennes. ZECO là pour partie électromécanique, tant que ECOMA là pour partie génie civil. Et habitation, par rapport à ça, me tout à l'heure, environ 2 ans, mais nous sommes supposés finir en décembre. Décembre 2020. Non, la Tibonide, là, non, non, centrale d'Ouéa. Et ouais, tout à l'heure, nous étions Péligue. Et nous levé depuis 5h du matin pour nous rendre Péligue. Nous passons Péligue, côté, nous espérons 54 MW. Pour le moment, nous avons 36. Ici, là, nous avons qui côté la Bali, nous avons dit tout à l'heure, il y a 13 d'abgardés pour la localité, il reste à la Boyle Port-au-Prince. Ici, il y a 3 MW la Pouni, c'est le même type de centrale. Et puis, c'est pour l'alimenter, c'est Marc, et Verrette, et Petite Rivière de la Tibonite, et tout environnement. Donc, des gens là, avec toute technique, c'est pour qu'ils puissent dire non. Et qui leur travail, ça a fini. Et nous-mêmes, c'est Bayo Booster. Bayo Booster pour le travail là, arriver et finir plus vite. Parce que coin 24 sur 24 là, pas gain à sortir de là, et c'est pour bientôt. Et pas gain bac la donne. Nous, tout à poté boué ensemble pour nous voir comment, et 24 sur 24 là, qui arrive beaucoup plus bonheur. Nous avons dit qu'on 24 sur 24, ça c'est pour demain. Nous avons fait bac la donne et nous avons marché tout côté pour nous bailler. Le président dit non, pas de dormir à 5h, ni déjà, ni moi-même, nous prenons la rue. Donc, l'État de ce pays abandonne le peuple. Et je l'assume, je profite de cette occasion pour présenter mes excuses à la population de la petite rivière de la Tibonite. Et je présente mes excuses à tous les Haïtiens, à
toutes les Haïtiennes qui se trouvent dans de pareilles conditions. Et nous sommes prêts, moi, que vous avez voté, que vous avez donné mandat, que vous avez donné le pouvoir de vous diriger. Je suis en train d'exercer le pouvoir maintenant et je vais le faire. Son paquet de monde qui ont créé doute en la tête. Yo. Et c'est le plus gros problème pays, ça rien. Ou quoi ça a fait vous? Ou quoi c'est pas menti, monsieur a fait? Jusqu'à ce que vous construisez un bagage, vous venez mettre si grand monde qui représente menti dans le pays, mais c'est Jovenel Moïse. M'assumer, je prends, je n'ai pas peur, je n'ai pas persécuté les gens avec ça. D'ailleurs, c'est la démocratie à la Jovenel. Tout le monde doit dire ça. Mais pas oublier toujours qu'on côté m'boile. Parce que côté m'boile, il faut avoir le cœur pur, l'esprit saint et les mains propres pour arriver là. Ou pas qu'à arriver là, sous une haine dans le cœur, sous une bague dans la tête, ou contre le monde, ni si même dans ça, ou pas qu'à arriver côté nous, et arriver aujourd'hui là, ou pas qu'à capable. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.